Bienvenue, chers spectateurs, à Voix d'étoiles. J'aimerais citer Ludwig van Beethoven, qui a dit « Je ne reconnais pas d'autre signe de supériorité que la beauté. » Encore une fois, je suis ravie de participer à ce festival Voix d'étoiles. J'espère y revenir une autre fois. Ben merci, merci beaucoup. Je suis hyper heureuse d'être là. Je suis venue il y a 13 ans, donc vous voyez, ça va un petit moment. Oh, je n'ai pas le charisme de Richard Darbois, mais non, lui, cette énergie. Je m'entraîne. Bon, c'est pas mal. Bonjour à tous. Et n'oubliez pas d'aller au Festival Voix d'étoiles aujourd'hui. Au cinéma, et pas qu'au cinéma, vous pouvez profiter des ateliers pour enfants et aussi des conférences. Oui, on vous attend au Festival Voix d'étoiles, c'est du 25 au 28 octobre. Et venez avec les enfants, hein? commence, hein, parce qu'après j'enchaîne. Allez, bonjour, ici c'est Jason. Voilà, je devais transporter quelque chose et malheureusement, je me suis trompé et je me suis retrouvé à Port-le-Cat. Voilà, et c'est une belle contrée, hein. Voilà, mais bon, mais moi, j'étais pas très bien, les sangliers ont mal mangé, le terrain était lourd, voilà, et je n'ai pas réussi à nager plus vite que le mégalodon. Voilà, c'était Jason, il faut que je remonte dans ma voiture, voilà. Voilà, en tout cas, Port-le-Cat, c'est bien, j'aimerais bien revenir l'année prochaine, voilà. Je souhaite à tout le monde un très bon festival et aussi de rencontrer énormément de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc, bon festival! Ouais, c'est une petite parenthèse enchantée dans la semaine, quoi. Petite session SMR sur Port-le-Cat. Il y a bien longtemps, c'était marécageux. On entendait des petits crapauds. On entendait des petits oiseaux. Et puis, il y a eu la première civilisation. Les gens sont arrivés avec des chevaux. Il y a eu les premiers barbecues. Et puis maintenant, on finit avec l'apéritif. À la vôtre, avec modération. Bienvenue dans la famille Madrigal. Découvrez la famille Madrigal. Ça peut sembler un peu miraculeux et merveilleux, c'est la fantastique famille Madrigal. Je suis très heureuse d'être au Festival Voix d'étoiles et merci à tous les gens qui sont passés, tous les spectateurs. C'était génial de vous rencontrer et j'ai hâte de revenir. Je ne peux plus, Mario. Je suis crevé, il y avait des canalisations partout ici. Moi non plus, mon Luigi. J'en ai marre. En fait, tu viens pour le cas. Je les adore, hein. Ce boulot, mais j'en ça m'épuise. Mais oui. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on fait demain. Mais qu'est-ce qu'ils mangent ici pour que les canalisations soient toutes bouchées? Plus personne ne vient nous voir. C'est triste. On fait plus un strapontin. Ah, on y retourne quand même? Allez, c'est reparti. Ah. Allez, on est reparti parce que quand même, Mario et Luigi, ensemble... Rien ne peut nous arriver. C'est parti, mon frère. Tout le monde est aux petits soins et il y a une programmation incroyable, un jury aussi exceptionnel. Merci à vous. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, que vous avez vécu ça soit en famille, soit tout seul, mais en tout cas que vous avez téléphone. C'est vous qui m'appelez pour me dire c'est trop long. Vous avez de la chance d'avoir ce festival-là et longue vie à Voix d'étoiles. Bravo à vous. Alors à tous les spectateurs de Voix d'étoiles, le jour sourira, la nuit pleurera. Mais mon optimisme de Barbara Tissier veut que je vous dise le jour sourira avant toute chose. Voilà, bisous. Bon, d'habitude on m'appelle aussi pour ma grosse voix, mais là pour Voix d'étoiles... Bah ouais, d'Hôtel Transylvania, vous dites merci pour l'accueil, c'était vraiment trop génial.
Voix d'étoile 2023. Non, c'est fini. C'est fini déjà. Philippe, Véronique, Marie-Pierre, c'est fini. Voix d'étoile 2023. Luigi, Peach, mais vous êtes où? Barbara Tissier, Boris Collinger, mais... Luigi, Ben, mon frérot, tant que t'es là, rien ne peut nous arriver. Mais tu t'es barré? Je suis tout seul, moi. Il n'y a plus personne. Bon, bah, je reprends mon costume de Deadpool, ce sera plus simple. 2024, à très vite. Et pour le 4, à bientôt. Youhou!